Bonsoir. En direct de Bruxelles, Arte et la RTBF vous invitent à assister à la représentation d'un opéra dont le titre est un des plus accrocheurs de l'histoire du genre, Le vaisseau fantôme de Richard Wagner. Quand on découvre ce titre, surtout la première fois, on imagine des mystères, des rebondissements, des personnages étranges, et on a raison, c'est le cas, Le vaisseau fantôme tient toutes les promesses de son titre. C'est Kazushi Ono, le directeur musical de la Monnaie de Bruxelles, un théâtre de référence en Europe, qui va piloter le vaisseau à la tête des chœurs et de l'orchestre de cette maison et d'une distribution formidable de présence scénique et vocale. Wagner compose Le vaisseau fantôme pendant son premier séjour parisien en 1840-41, mais comme l'Opéra de Paris dédaigne sa proposition, il rentre en Allemagne. Deux autres dates, elles sont importantes. Entre octobre 1842 et début janvier 1843, l'Opéra de Dresde crée deux œuvres de Wagner, Rienzi, un grand opéra traditionnel en cinq actes, puis Le vaisseau fantôme, un objet musical non identifié à l'époque. Rienzi fait un triomphe, le vaisseau est mal accueilli, c'est normal, c'est un coup de génie, ce nouvel opéra est un coup de génie qui dérange. Ce soir, en direct de la Monnaie de Bruxelles, nous aurons une version d'un seul tenant, de l'ouverture au dernier accord, ou pour mieux dire, de la première bourrasque à l'ultime coup de vent. L'histoire, le thème sont typiquement wagnériens, le hollandais, parce que le titre original c'est le hollandais volant, le hollandais donc, coupable d'avoir défié Dieu, est condamné à errer éternellement sur les mers. Tous les 7 ans, il a le droit d'accoster pour tenter de découvrir la femme dont la fidélité lui permettra d'être pardonné. Cette fois, il croit toucher au but, car Zenta, la fille du marin Daland, l'attend depuis toujours. Mais leur rencontre sera en fait une rencontre du troisième type et même du quatrième type, parce que ces deux êtres qui sont des sortes d'extraterrestres, comment pourraient-ils dialoguer ? Guy Cassirs, le metteur en scène de cette nouvelle production, a évacué tout ce que les hommes de théâtre de nos jours appellent l'anecdote. Il n'y a plus de bateau à voile, il n'y a plus de port, il n'y a plus de fileuse avec le rouet. Le metteur en scène et son décorateur ont imaginé des plateformes qui tournent comme des radars sur les solitudes océaniques, peut-être pour établir le contact entre des êtres qui visiblement sont incapables de communiquer. Les projections vidéo sont également de Guy Cassirs et vous allez le voir, elles tentent de nous montrer la vie intérieure des personnages, un peu comme si nous étions dans leur tête. Voilà, cette soirée va commencer, c'est maintenant à vous de juger, à vous de voir, à vous d'entendre. Je vous souhaite une très bonne soirée.
Gewitter und Sturm aus fernem Meer, mein Meer, Alpindiana. Über Turm, hohe Flut vom Süden her, mein Meer. Thank you.
Ins Gestad aus weitem Land. Ich hab an dich gedacht. Durch Gewitter und Meer vom Mohrenstrand hab dir was mitgebracht. Was verstrichen sind sieben Jahr. Voll Überdruss wirf mich das Meer ans Land. Stolzer Zern, in kurzer Frist schoss du mich wieder trott. Ein Trotz ist beugsam, du ewig meine Qual. Das Heil
was auf dem Land ich suche, nie werd ich es finden. Euch, es wird mir's fluten, bleib ich getreu. Bis eure letzte Welle sich bricht, zeigt es doch.
Hoffnung. Aus von eitler Hohn, um ewige Treu auf Erden ist getan. Verzeiht mir, Kapitän. Ja, da.
Ich seh den Kapitän. He, holla, Seemann, nenne dich. Wes Landes? Den Felsenstrand. Mir ging's nicht besser, bin ich Meilen nur von hier, ist meine Heimat fast erreicht. Musst ich aufs Neu mich von ihr wenden. Sag, woher kommst du? Hast Schaden du genommen? Mein Schiff ist fest. Es leidet keinen Schaden. Mein Schiff beladen. Willst du handeln, so sollst du sicher deines Vorteils sein. Wahr soll deinem Wort ich glauben,
ein Mondstern scheint, hat dich bis jetzt verfolgt. Um dir zu frommen, biet ich, was ich kann. Doch darf ich fragen, was dein Schiff enthält? Die seltensten der Schätze sollst du sehen. Kostbare Perlen, edelstes Gestein. Blick hin und überzeuge dich vom Werte des Preises. Bin ich für ein gastlich Tag, hier biete viel. Ist's möglich, diese Schätze wäre so reich, den Preis dafür zu bieten, den Preis. Den hab ich ihm gedankt. Ist für das Obdach einer einzigen Nacht. Doch was du siehst, ist nur der kleinste Teil von dem, was meine Schiffesraum verschließt. Schatz, ich habe weder Weib noch Kind. Und meine Heimat find ich nicht. All meinen Reichtum ich, wenn unentschlossen ich bleib, ihr müsst im Vorsatz wanken. Ach, ohne Weib, ohne Kind, war oder Träume, nichts fesselt mich, kann ein Eidam willkommener sein. Rastlos verfolgt, hoher Schien, das Glück ich verseucht. Verzücken schlage ich ein volle Zücken, die ich die Heimat erreiche. Was ich mich aus der Gedanke, der setzt mich nicht aus zu dem Thank you.
Fremdling hab ich eine schöne Tochter, mit treuer Kindeslieb ergeben mir. Ist mein Stolz das höchste meiner Güter, mein Trost im Unglück, meine Freud im Glück, mein Trost im Unglück, meine Freud im Glück. Vater stets bewahr sie ihre Liebe, ihm treu wird sie auch treu. Unschätzbare Perlen, das höchste Kleinod doch, ein treues Weib, du gibst es mir. Ich gebe dir mein Wort, ich rührt dein Los, freigeb ich, wie du bist, zeig dir und hohen Sinn du mir. Den Eid am wünscht ich so, und wer dein Not noch bin so reich, meld ich doch keinen anderen. Noch sehen, ihr Restegens, Köpfchen mit uns nach Haus. Du sollst sie sehen, und wenn sie dir gefällt, sei sie mein! Wird sie mein Engel sein? Wenn aus der Qualen Schreck gefalten, die Sehnsucht nach dem Heil mich treibt, ist mir's erlaubt, mich festzuhalten, eine Hoffnung, die mir bleibt. Krisenzeit des Sturmes gewalten, hier an diesem Strand mich treibt. Oh!
ach, lieber sieht wie ein Glas noch mehr. Und segelt schnell der Heimat zu. Auf ich dich bitte, so segelst du voran. Der Wind ist frisch, doch meine Mannschaft weht. Ich will wohl zählen, wohl an, es möge denn so sein. Lieb wohl, mögst heute du mein Kind noch sehen. Gewiss. Sei, wie die Silge schon sich benennt. Hallo, frische Jungen, greifet Thank you.
den Schatz gewinnen. Thank you.
kein Ende. Es brummt uns und nur vor dem Ohr. Wollt ihr, dass ich mich zu euch wende? So sucht was Besseres. Yeah.
mich verderben. Stern
Nicht fürchten. Soll ich des Herzens schrauben, doch nicht leben. Mein Leidenswetter rührt es dich nicht mehr. Oh, prahle nicht, was kann dein Leiden sein? Kürz jedes Unglück.
als mich mein unsel'ger Traum. Heute dich, Satan hat dich umkarrt. Lass dir vertrauen, ein Traum ist's, hör ihn zur Warnung an. Bye.
Kind den fremden Mann willkommen heißen. Seemann, bist du gleich mir, das Gastrecht spricht dir an. Land ohne Heimat stets auf fernen, weiten Reisen, in fremden Landen dir für Schätze viel gewann. Es dich verdrießen, wenn dieser Fremde bei uns wohnt, wenn dieser Fremde bei uns wohnt. Sagt, hab ich sie gepriesen, ihr seht sie selbst, ist sie euch recht? Soll ich vom Lob noch überwiesen, besteht, sie zieret ihr Geschlecht, besteht, besteht, sie zieret, sie zieret.
Zeiten spricht dieses Mädchens Bild zu mir. Wie ich's geträumt seit bangen meine Blicke aus tiefer Nacht empor zu einem Weib. Ein schlagend Herz ließ ach mir Satans See you.
zwar nicht schelten, was er versprach, wie dürft es gelten? Könntest dich der ewige mir ergeben und deine Hand dem Fremdling reichtest du, soll finde ich nach qualenvollem Leben in deiner Treu in deiner Treu, die langer sinnte Ruh. Wie du freist, welches das wird Oh,
mein Volk hält draußen sich nicht mehr. Nach jeder Rückkunft wisset, gibt's ein Fest, verschöner möcht ich's, komme deshalb her und mit Verlobung sich's vereinen lässt. Ich denk, ihr habt ja Herzenswunsch gefreit. Senta, mein Kind, sag, bist auch du bereit? Yeah!
Yeah.
muss ich sehen. Ist Täuschung Wahrheit? Ist es Wahrheit? Du hast mich versichert,
Menschen nicht verderben. Entsetzlich, dieser Blick! Im Lande. Und auf das Herz reite ich die Säue. Und auf das Herz reite ich die Säue. Ich sag Gott, ich sei zum Grässlichsten der Lose, zehnfacher Tod, wer mir erwünschte Lust. Vom Fluch ein Weiberlein kann mich erlösen, ein Weib, das treu bis in den Tod mir hält. Wohl hast du Treue mir gelobt, doch vor dem Ewigen noch nicht. Ich rette dich, denn wisst und Silke, welches das Geschick, das jene trifft, die mir die Treue brechen. Ewige Verdammnis ist dir los. Zahllose Opfer fielen diesem Spruch. Gerettet sei die Brust, fahre hin, mein Heil, in Ewigkeit. Vor Hilfe, reichet, reichet Oh,
Le vaisseau fantôme en direct du Théâtre Royal de la Monnaie à Bruxelles, le vaisseau fantôme de Richard Wagner, qui est sous-titré opéra romantique en trois actes, mais c'est tellement mieux joué de cette façon d'une seule traite, sous la direction musicale de Kazushi Ono, dans la mise en scène de Guy Kazirs, le décor de Peter Misoton et ses curieux costumes taillés trop grands pour les personnages, comme si tous les rôles étaient taillés trop larges pour les personnages de cette œuvre. Nous assistons là au cérémonial des saluts, comme d'habitude. C'est très important à l'opéra. L'une des triomphatrices de la soirée, sinon la triomphatrice de la soirée, c'est Anja Kampe, jeune chanteuse allemande qui est de Dresde. Dresde où a été créé l'opéra de Richard Wagner, Le vaisseau fantôme, il y a à peu près 150 ans. Elle a poursuivi ses études musicales en Italie, à Turin. Elle chante déjà beaucoup en Allemagne, en Italie, en France. Et la saison prochaine, elle interprétera ce même rôle de Zenta dans Le vaisseau fantôme à l'opéra de Munich. Et elle interprétera le rôle titre dans Fidelio, l'opéra de Beethoven au festival de Glyndebourne en Grande-Bretagne. Kazushi Ono, directeur musical du Théâtre Royal de la Monnaie depuis 2002. Il y aurait beaucoup à dire sur ce chef très jeune, japonais, qu'on présente comme un surdoué de la direction d'orchestre. C'est un très grand chef de théâtre. De l'endroit où j'ai suivi la représentation, dans la loge qui domine la fosse d'orchestre, j'ai pu l'observer pendant tout le spectacle. Et c'est là qu'on voit de quoi il s'agit réellement lorsqu'on parle d'un chef d'opéra. D'abord, il n'a pas une goutte de transpiration à la fin de la représentation. Il dirige avec une concentration extraordinaire, mais aussi avec un grand calme. Et il soutient remarquablement les chanteurs et les chœurs de la Monnaie, préparés par Pierce Maxime, et qui sont eux aussi absolument remarquables dans ce vaisseau fantôme qui sollicite beaucoup le chœur d'un théâtre d'opéra. Kazushi Ono, pour en revenir à lui, est déjà un spécialiste de Richard Wagner. Ici, à la Monnaie de Bruxelles, il a déjà dirigé Tannhäuser, ce vaisseau fantôme. Il a fait une tétralogie, un ring intégral à l'opéra de Karlsruhe en Allemagne. Et il est aussi dans le Saint des Saints, puisque c'est un chef bayreuthien, Kazushi Ono. Kazushi Ono, qui a un répertoire très vaste, qui va du 18e siècle, de la tragédie lyrique jusqu'à la création contemporaine. C'est lui qui a dirigé la première mondiale de l'opéra de Philippe Bessemans, Julie, l'été dernier au Festival d'Aix-en-Provence. Il y a quelque chose qui ne trompe pas. Évidemment, c'est la chaleur des applaudissements. Quelque chose qui ne trompe pas dans une représentation d'opéra et dans l'intensité d'une représentation d'opéra, c'est la concentration du public. Elle a été remarquable toute cette soirée. Voilà, cette soirée va s'achever. Les prochains rendez-vous musicaux sur la RTBF et sur Arte, les voici. Nous approchons de l'année Mozart. Donc sur la RTBF, sur la 2, le 1er janvier prochain, La Flûte Enchantée de Mozart, dans une production qui a été présentée ici à la Monnaie, sous la direction de René Jacobs. Et sur Arte, le 24 décembre, le soir de Noël, Idoménée également de Mozart, une retransmission du spectacle d'ouverture de la Scala de Milan qui a été dirigé par le jeune chef britannique Daniel Harding. Je vous souhaite une excellente fin de soirée.